Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Décode. Aujourd'hui, on a l'occasion d'accueillir Jean-Nicolas de Welcome to the Jungle. Bonjour Jean-Nicolas. Bonjour. Voilà, donc Jean-Nicolas est venu aujourd'hui pour nous parler de la data au cœur de l'amélioration produit et comment ça a pu être implanté dans le design du site de Welcome to the Jungle notamment. Donc Jean-Nicolas, pardon, je te laisse la main et présenter. Ben merci beaucoup. Bonjour à tous. Pour commencer, je suis sûr qu'on vous a tous déjà posé des questions du style. On veut améliorer le site web et finalement, on veut changer la couleur du menu. Est-ce qu'on la met en rouge ou est-ce qu'on la met en bleu? Voilà. Et on va pas se mentir, on a tous pensé au moins une fois à répondre je préfère plutôt cette couleur ou celle-là, mais sans vraiment se poser la question de derrière, comment on va vraiment choisir cette couleur et finalement, qu'est-ce que c'est le mieux? Comment définir cette définition? Eh bien, aujourd'hui, on va réfléchir différemment, essayer de se poser vraiment la question en se basant sur un élément essentiel. Et vous vous en doutez, je vais vous parler de la data. Nous allons donc voir pourquoi, autour d'un exemple, pourquoi la data est essentielle. Essentielle pour construire un produit qui fonctionne et essentielle finalement pour prendre des décisions. Et le dernier point surtout qui va être important de noter, c'est pourquoi la data est essentielle et essentielle de l'introduire dès le début du projet. Et donc, pour illustrer tout ça, comme vous dire, c'est le but, c'est de vous parler de la refonte du site Welcome to the Jungle. Et donc, voilà un peu le menu du jour, finalement. Donc, présenter rapidement, finalement, qu'est-ce que c'est que ce design, cette data, ce site. Et après, on va tourner autour de deux grands axes. Un, le développement vraiment produit, de voir à quel moment la data s'intègre dans ces décisions et quelles sont les principales étapes du développement produit. Et dans la deuxième partie, on va plus voir finalement le parcours de la donnée, de la capture à la prise de décision, par où on va passer et comment on peut itérer de façon rapide pour suivre l'usage global tout en prenant des décisions plutôt rapidement. Mais bon, finalement, avant d'entrer dans le détail, peut-être me présenter et vous présenter finalement qu'est-ce que c'est que Welcome, ça vous parlera peut-être beaucoup mieux. Donc, je me présente Jean-Nicolas Fine, je suis lead data chez Welcome to the Jungle. Pour mon parcours, faire très rapide, j'ai suivi une école d'ingénieurs généralistes, le CE Paris, avec une spécialisation en système d'information et en finance de marché. Et j'ai commencé ma carrière en finance de marché, j'ai fait 7 ans, à la fois sur l'analyse de risque et la gestion de portefeuille. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai eu besoin de retourner plus vers des fondamentaux proches de l'école d'ingénieurs, revenir plus sur la partie données informatiques un peu plus pure. Donc, j'ai suivi pas mal de formations sur la partie data pour récupérer plus des langages qui me manquaient un peu, notamment le Python, et revoir aussi les fondamentaux côté SQL. Et suite à ça, j'ai rejoint Welcome to the Jungle depuis maintenant 2 ans en tant que data analyst à l'époque et aujourd'hui en tant que lead data. Et donc, Welcome to the Jungle, qu'est-ce que c'est? C'est une société qui a été créée en 2015 avec pour objectif de créer la nouvelle expérience au travail. Et vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle expérience au travail? C'est simple, c'est d'accompagner finalement le candidat et l'employé tout au long des différentes étapes de sa vie, finalement, de ce parcours qu'on mène tous au quotidien. Avec, du coup, nous, on a 3 missions principales. Qui est la première, la plus historique, c'est d'attirer les talents. Donc, pour ça, on a notre plateforme qui est le site web Welcome to the Jungle, avec lequel vous avez pu interagir peut-être. C'est Welcome Kit, donc il y a un ATS, ce qui permet de gérer les candidatures derrière. Et donc, aujourd'hui, c'est la première plateforme, quant à sa création, qui donnait accès aussi bien aux candidats qu'aux recruteurs des informations clés. Donc, on a énormément de journalistes qui écrivent des contenus à destination de la recherche d'emploi, de l'entreprise, comment on se comporte aujourd'hui, et qui permet aussi aux entreprises de promouvoir leur marque employeur. Donc aujourd'hui, il y a plus de 3 000 entreprises avec des profils un peu type, dire des grands mots, un peu profil Facebook, LinkedIn, qui permettent de bien présenter la boîte finalement au-delà du discours pur marketing et de rentrer plus dans le détail de qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a franchi la porte. Mais on ne s'arrête pas là et on a deuxième étape finalement, c'est d'améliorer l'expérience employée. Donc c'est maintenant que le candidat a été sélectionné, va faire l'employé et donc nouveau produit et de comprendre aussi comment les différentes équipes fonctionnent à l'intérieur. Le but principal, c'est d'améliorer l'onboarding des nouveaux arrivants et de favoriser la communication interne, que ce soit au travers d'annonces, de chat, de virtual office, tous ces éléments.
Et la dernière mission qu'on s'est donnée, c'est de favoriser l'engagement et de favoriser aussi le développement personnel de chacun. Et donc pour ça, on a lancé une plateforme de streaming l'année dernière, Welcome Original, là où vous pouvez trouver chaque mois de nouveaux contenus originaux avec des professionnels qu'on va filmer de notre côté, du style, on a Kenzo, Pierre Gagnère qui partagent leurs conseils, que ce soit sur la partie management, sur leur vision du monde du travail, sur la créativité ou la prise de parole en public. Finalement, revenons au sujet qui va vraiment nous intéresser. Du coup, Welcome to the Jungle, et pour redonner juste quatre chiffres un peu à retenir, aujourd'hui c'est 2 millions de visiteurs uniques par mois pour 3600 clients et on gère à peu près 7 millions de candidatures depuis la création du site et en 2021, ça représente à peu près 5 candidatures par minute depuis le début de l'année. Vous voyez qu'il y a quand même une volumétrie assez importante. Et donc, le sujet donc, qui est vraiment la data au cœur du produit, comment l'illustrer ? Finalement, ça va être autour de la refonte du site Welcome to the Jungle, avec pour principal objectif d'aider à construire cette marque, parce qu'historiquement, on n'avait qu'un seul produit. Et le but, avec différents produits, c'est de construire une marque forte avec justement refonte du site. Donc, c'est de la partie design, de la partie marketing, de quel est le message, comment on veut le faire passer, et surtout d'aider notre audience à avoir une meilleure connaissance de notre offre. Parce qu'historiquement, on avait la partie média d'un côté, avec toute la partie article, et la partie plus entreprise. Et on avait remarqué que souvent, personne qui nous connaissait n'avait qu'une facette de ce qu'on faisait. Et avec le dernier objectif, finalement, c'était quand même de maintenir la visibilité actuelle de nos clients. Et donc, du coup, la durée de ce projet, là, voilà, j'ai déjà mis, c'est en itération perpétuelle parce qu'on est toujours en train d'évoluer. Et pour visualiser, ça, voilà, c'était notre ancienne page d'accueil. Et aujourd'hui, la voici. Et donc là, voilà, le but aujourd'hui, c'est de vous présenter les différentes étapes qui ont mené de ce passage de l'un vers l'autre. Et donc, comme tout projet, au tout début, la première étape, finalement, c'est de comprendre l'existant. Donc là, vous pouvez le voir, donc il y a des, je ne sais pas si c'est très visible sur la présentation, mais il y a des petits numéros. Donc vous avez tout en haut, un bandeau finalement qui était le menu, et on n'avait aucune idée. Au tout début, c'était pur design. C'était comment il est utilisé, est-ce que les catégories à l'intérieur sont visibles, compréhensibles. Le deuxième point, donc, c'est le grand bandeau que vous voyez tout en haut, qui est un carrousel. Donc un carrousel, ce sont des images qui vont défiler les unes après les autres. Donc, c'était de comprendre finalement comment il fonctionne. Est-ce que ça mettait des entreprises en avant à cet endroit-là, mais est-ce que ça fonctionne vraiment? Le bandeau juste en dessous, pareil, c'était des mises en avant d'entreprises, mais c'était du coup présenté différemment sous forme de mosaïque. Et la dernière partie, qui est toute la partie plutôt média, donc c'est là où vous voyez le chiffre plutôt bas, avec le deuxième grand bandeau. Et donc, c'était déjà de comprendre finalement la transversalité entre nos différents contenus et comment ça fonctionne. Donc, tout ça sur une page d'accueil, on va dire que ça fait beaucoup. Et du coup, en se posant déjà ces premières questions, le premier constat, c'est que ça a été impossible de répondre à ces questions. Impossible pourquoi ? Impossible parce qu'on n'avait pas les bons outils, finalement. À l'époque, on travaillait avec Google Analytics, donc qui ne permet pas d'avoir une vision très fine du parcours utilisateur. Donc, on était finalement dans l'impossibilité de retrouver exactement qui fait quoi à quel endroit sur quelle page. Donc on avait des stats comme global de savoir le nombre de pages vues, le nombre d'arrivées sur site, le nombre de visiteurs global, mais dès qu'on voulait avoir des sous-regroupements au sein du site, Google Analytics dans sa version gratuite ne le permettait pas au vu de notre volumétrie. C'est des contraintes, je ne vais pas rentrer dans ce détail là, mais par contre ça nous a lancé finalement vers des premières actions. C'était tout, dès le début des réflexions du projet, ça a été de changer l'outil de tracking, parce qu'il ne nous permettait pas de suivre ce qu'on voulait, d'ajouter en attendant quand même, parce que c'est un long projet de changer l'outil de tracking, on avait besoin d'ajouter, de spécifier un peu des changements dans le tracking actuel, et aussi d'historiser des données, donc là directement sur les bases de données, d'historiser de l'info pour la garder au fil du temps, parce que on a la donnée qu'on utilisait était principalement de la donnée de production de notre outil, mais qui donne l'état actuel. Et si on veut récupérer l'état d'une page, d'une entreprise dans le passé, on ne pouvait pas le faire. Donc, ça a été ces principales
ça a été la fondation un peu du projet. Et sans ça, finalement, la suite n'aurait été déjà aussi pas possible. Donc maintenant, voilà, le but, je vais vous présenter le développement produit autour bah, finalement de plusieurs grandes étapes. La première étant bah, du coup le process produit simplifié. Certains vont dire qu'il manque des étapes, donc c'est pas très clair, mais là, le but ça a été de faire de façon assez simple et imagée. Mais au début, bah, tout projet, qu'il soit basé sur de la data ou non, on va toujours commencer par une idée. Et après, donc ces idées aujourd'hui, c'est géré notamment côté product manager, voilà, donc qui est fondateur, qui vont donner cet insight un peu. Derrière, vont découler des spécifications plus techniques à destination des développeurs et aussi à destination des équipes design qui, chez nous, travaillent justement à mettre en forme toute la partie graphique, visuelle. La partie développement plus classique, où là, les développeurs, que ce soit côté back-end, front-end, vont faire réaliser les spécifications. La partie test, qui est la QA, la mise en production et puis l'arrivée derrière vers des KPI de suivi. Donc finalement, la data, à quel moment elle va s'intégrer dans tout ça? Eh bien, on va commencer directement au niveau des spécifications. On va rentrer dès le début des réflexions, finalement, pour challenger ce qui doit être fait avec... donc là, on travaille avec les product managers et les data analysts. De temps en temps, les data engineers peuvent aussi participer, mais c'est essentiellement data analysts et product managers, avec le but de définir ses objectifs et indicateur de succès. Pour rappel, si on se remet dans l'intro où je vous disais la question le mieux pour la couleur du menu, est-ce que c'est en bleu ou en vert, bah, le but c'est déjà de définir le mieux, qu'est-ce qu'on entend par là, parce que nous en tant que data analyst on va avoir une définition peut-être derrière, mais en face côté product manager ou décisionnel ils vont avoir une autre idée. Donc, c'est vraiment d'établir tout ça et d'établir derrière bah, les besoins de données qui vont découler et de rédiger aussi finalement bah, des spécifications techniques orientées data. Donc pour revenir sur l'exemple, là, l'objectif est un indicateur de succès pour les prendre. Donc on avait bah, comprendre l'utilisation des sous-menus pour voir dans la granularité à l'intérieur, comprendre l'impact des mises en avant, que ce soit au niveau du carrousel et de la mosaïque. L'ajout, donc on a eu des nouveaux encarts côté design qui devaient être créés, donc c'était aussi de bien pouvoir les suivre, et de comprendre finalement entre les différentes ordres de section, est-ce qu'on met le média en premier, est-ce qu'on met les entreprises devant, et aussi le dernier objectif, c'était de valider les propositions de design. Derrière, en termes d'indicateurs de succès, bah, je ne vais pas tout ce que vous voulez faire, mais le but c'est de se dire que bah, sur l'utilisation de menu, on est passé par un nombre de clics, et ce n'est pas le clic en tant que tel, le nombre en absolu, mais c'était de bien comprendre la répartition entre quand on passe d'un niveau 1 à un niveau 2 dans un menu, quelle déperdition on a et est-ce qu'on arrive à garder de la visibilité sur le contenu qui est derrière. Donc là, on parle souvent en termes de page vue et en gardant finalement l'origine de la page vue parce qu'on peut arriver directement sur cette page, on peut arriver par différents endroits et c'était de pouvoir finalement suivre vraiment ce parcours utilisateur. Et donc, en besoin de données, derrière, on a eu besoin de rajouter du tracking dans les spécifications, d'utiliser aussi, mettre en place des A/B tests, parce que quand on veut finalement valider l'ordre de section entre le média et l'entreprise, de dire est-ce que je mets ce bloc-là au-dessus ou en-dessous, ou est-ce que je veux juste changer des couleurs, bah ça, la donnée, si on fait des tests sur plusieurs semaines, on ne sera jamais sûr du résultat, parce qu'il suffit qu'il y ait eu un changement d'audience à ce moment-là, et du coup, du trafic différent, on n'a pas les mêmes bases de comparables. Alors, et du coup, l'utilisation d'AB test, qui va permettre de proposer en même temps deux versions de la page à différents types d'utilisateurs, va nous permettre de mieux comparer les résultats. On avait aussi besoin d'historiser de nouvelles données, et aussi, un point important, c'est qu'on a aussi à la base, au niveau des échanges avec les développeurs à ce moment-là, dans ces premières étapes, et c'est aussi là qu'on peut influer sur leurs spécifications techniques. Je prends un exemple, en base de données, ils n'avaient pas prévu de rajouter
une information qui pouvait nous servir, nous, côté data. Et le but, c'est de voir avec eux, bah, juste, est-ce qu'on peut le rajouter ? Est-ce que c'est compliqué ? Est-ce qu'ils peuvent changer leur modèle de données pour intégrer ces infos ? Plutôt que de le faire derrière ou de les recalculer, de ne pas être sûr, finalement, s'il y a un changement demain, que cette information est perdue. Donc, c'est vraiment une phase qui est très importante et sur laquelle on va se baser tout au long du projet. Maintenant, la deuxième étape après tout ça, bah, on revient sur une phase basique de développement, donc en parallèle des développeurs. Donc là, on va travailler main dans la main avec eux, parce que du coup, on travaille notamment beaucoup avec les développeurs front qui vont mettre en place le tracking, mais on peut en faire aussi côté back-end quand on a besoin de rajouter des nouvelles données ou quand on a besoin d'avoir des événements très spécifiques. Et on va aussi travailler de notre côté pur pour faire plus la partie ingestion de nouvelles données, sauvegarde historique, ça c'est vraiment géré de côté data, et sur certains cas plus spécifiques, c'est l'activation dans des outils tiers. Je prends un exemple, si on a besoin, dans le cadre d'un projet, d'envoyer des informations pour des actions marketing plus ciblées, on a besoin de pousser de l'information côté MailChimp, par exemple, ou dans les CRM de suivi de clients. Et donc, sur l'exemple, bah, ce qu'on a dû rajouter là sur la phase de développement, c'était bah, de modifier des schémas d'événements parce que côté tracking, on avait choisi un nouvel outil qui s'appelait Snowplow qui permet de définir exactement de notre côté ce que va être une page vue, ce que va être un événement de clic et donc d'ajouter des informations spécifiques à nos besoins et pas génériques. Et donc, c'était rajouter justement ces informations d'origine, ces informations d'encart, pour bien déterminer au sein d'une même page, finalement, d'où vient l'information, avec des contraintes de volumétrie, pour éviter d'exploser les volumétries qui augmentent les coûts pour tout le monde sans avoir vraiment de valeur ajoutée. Et le dernier point, c'était aussi la partie ingestion et sauvegarde de données. Ça, on le fait quotidiennement sur notre warehouse. On y reviendra un peu plus tard. Les étapes suivantes sont quand même plus classiques aussi, c'est toujours la partie QA, donc là on va tester que ce qu'on a demandé fonctionne bien. Donc dans le détail, c'est vraiment le test du tracking, vérifier ce qu'on a demandé aux développeurs, est-ce qu'il fonctionne vraiment, de review côté vraiment data, les développements qui ont pu être faits. Donc là c'est un échange entre soit les data analystes, soit un échange data analyst data engineer. Vraiment comparé, quand il y a de l'ingestion, ça a plus tout ces data engineers. Mais aujourd'hui, l'équipe est suffisamment flexible pour travailler sur les différents sujets. Et ce qu'on essaye de mettre en place un maximum aussi, c'est des tests automatiques. Donc là, il y a une équipe chez nous dédiée à la partie QA qui permet d'éviter d'avoir des régressions, aussi bien côté développement pur que sur la partie tracking. Donc là, ils utilisent des outils tels que Cypress qui nous permettent de faire des tests à la fois unitaires et sur des tests de scénarios. Un exemple de scénario qui pourrait arriver, on a d'ailleurs détecté, si un candidat arrive sur la page d'accueil, clique sur une entreprise, sur son job et postule, chaque étape individuellement peut bien se passer, mais en fait, sur ce funnel, on peut avoir soit de l'impair d'informations, soit il peut se trouver qu'une information soit envoyée en double. Et ça, c'est des choses qu'on veut absolument éviter et qu'il faut toujours vérifier. Donc, plutôt que de le faire manuellement, on l'automatise parce que ça peut perdre beaucoup de temps sur la donnée qui est critique. Une fois que tout ça est fait, il y a la mise en production qui est faite toujours côté dev. Et donc là, c'est là où on a fait finalement la partie immergée de l'iceberg que tout le monde au sein de l'entreprise voit à peu près, parce que tout le monde suit les avancements de produits. Par contre, c'est derrière où il y a le vrai parcours de la donnée, comment il interagit derrière, et techniquement, finalement, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces spécifications qu'on a pu mettre. Mais déjà, vous pouvez le voir, c'est techniquement, on n'a encore aucune donnée, mais si la data n'est pas inclue dès le début des réflexions, vous voyez que sur toutes ces phases-là, la suite, finalement, va être impossible et on va devoir y revenir. Et donc, ça fait perdre du temps à l'ensemble du projet, des intervenants. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment essentiel d'inclure la data dès le début des réflexions.
Je vais essayer de regarder si déjà il y a peut-être eu des questions à ce moment-là. J'essaie de les lire en parallèle. Mais en tout cas, n'hésitez pas si vous en avez. Je serai un plaisir d'y répondre en même temps. Revenons du coup maintenant au parcours de la donnée. Et donc là, la donnée, c'est de comprendre de sa valeur brute, comment on la transforme en décision et quelles sont les différentes étapes de ce process. Donc là, je vais vous présenter dans les grandes lignes quels sont le process de data chez Welcome to the Jungle, donc qui ne sera pas le même ailleurs, mais qui va se découper du coup aujourd'hui en trois gros blocs. On a les données produits, donc là, ce sont vraiment les données qui viennent des outils, de nos outils, basés sur nos infos, nos développeurs, nos spécifications. Aujourd'hui, on travaille sur des bases de données en PostgreSQL pour la majeure partie. Après, on a toutes les données de tracking, donc, que ce soit côté web, mobile ou back, ou serveur. Donc, toutes ces infos-là qui sont collectées côté Snowplow se déversent dans un Redshift. Et on a le dernier point qui sont tous les outils tiers qu'on peut connecter. Et dedans, bah, on va souvent récupérer des infos d'outils de CRM. Donc, c'est toute la base client qui sont gérées par les account managers. On a aussi les infos d'emailing, de newsletter ou des outils aussi différents où vous pourrez récupérer des infos de réseaux sociaux, de campagnes, vraiment tout, différents outils qui permettent et qui ont une API qui permettent d'extraire de la donnée. L'étape d'après, bah, c'est de centraliser tout ça. Aujourd'hui, on va le faire avec un framework qui s'appelle Airflow. Certains le connaîtront sans doute, mais c'est un framework qui a été développé par Airbnb Albaz qui permet vraiment de faire de l'orchestration de script. Donc en gros, on dit rapidement, il faut effectuer telle tâche à telle heure et à la suite de telle tâche, on en lance une deuxième et ainsi de suite. Donc, tout ça va nous permettre de centraliser la donnée. Aujourd'hui, ce sont sur des bases PostgreSQL. Demain, on vit sur des warehouses plus centralisées, plus orientées data et distribuées du type Snowflake ou BigQuery. Et à cette étape-là, c'est là où aussi on va définir tous les grands metrics qui vont être utilisés par la suite et à destination des utilisateurs finaux. Là, on va designer plutôt des dashboards. Et aujourd'hui, on travaille avec Looker d'un côté et Metabase de l'autre. Looker sur la partie vraiment accessible à l'ensemble de l'entreprise et Metabase permet juste d'avoir de données visuelles très rapidement, donc plutôt à destination, c'était notre outil historique, aujourd'hui plutôt à destination des product managers ou côté data quand on a besoin d'avoir des réponses rapides. Et maintenant, pour revenir finalement dans ce process un peu global et comment on travaille sur le produit, il y a 5 étapes derrière tout ça. La première, c'est vraiment la donnée brute. Donc là, ce sont essentiellement les data engineers et les data analysts qui vont travailler dessus. Où le but, c'est déjà de valider le comportement de ce qu'on avait demandé pendant la phase de test, parce qu'on a pu tester, puis très bien fonctionner, mais c'est tant en temps, on a pu le remarquer qu'en production, il y a des écarts, parce qu'on n'avait pas tout testé. Donc, déjà de vérifier que ça fonctionne bien en production, qu'on collecte bien l'information, et derrière, il faut la modéliser à une première étape pour qu'elle soit utilisable. C'est déjà la première but. On ne crée pas encore de vraie table de dimension, de vrai dataset, mais c'est déjà modéliser la donnée brute pour qu'elle soit exploitable. C'est la refiltrer, c'est la retravailler un petit peu. On peut le faire, par exemple, sur les données de tracking, on reçoit des page ping pour mesurer le temps passé sur une page. Donc tout ça, on a besoin de l'agréger pour calculer d'un événement qui arrive toutes les 10 secondes, d'arriver à recalculer le temps passé par page. La deuxième étape, ça va vraiment être là d'avoir ces premiers résultats très rapides. Donc on va partager côté data les premiers résultats sur des KPI qui ont été justement définis à l'étape des spécifications. Et si on n'a pas fait cette étape-là, on va se retrouver à avoir une liste de Père Noël pour trouver quels sont les KPI, je veux suivre ci, je veux suivre ça. Et en fait, là, on va se perdre et on peut perdre énormément de temps à chercher de la donnée. Et nous, l'objectif qui est vraiment derrière, c'est de donner de l'information qui soit pertinente et actionnable. Parce qu'on peut donner énormément d'informations, mais si elle ne sert à rien derrière, finalement, est-ce qu'elle a un vrai intérêt au-delà du knowledge
pur, mais ça qui viendra plutôt par la suite. Donc là, l'objectif sur chaque projet, c'est dès la première semaine de pouvoir fournir, que ce soit au product manager ou aux équipes opérations, directement des premiers résultats, permettre de valider le comportement attendu et éventuellement déjà de faire des premiers correctifs sur le produit. Et ça, je vous le présenterai justement juste après sur un autre exemple très précis. Mais là, je voulais d'abord finir le process global. L'étape d'après, ça va être de construire vraiment des datasets orientés produits. Parce que là, les premières itérations ont permis de se rendre compte que les données étaient stables. On peut construire du coup un premier niveau d'agrégation avec une modélisation. Là, on va vraiment rentrer dans les dimensions, les faits, avec des tables orientées vraiment produits, que ce soit sur les entités. Donc là, c'est vraiment à chaque use case, mais si on reprend le nôtre, le but, ça va être de définir pour chaque page les métriques qui vont être associées derrière, comment on définit une page, comment on définit ces métriques, une page vue, une arrivée sur site, du temps passé sur la page. Tout ça permet d'être agrégé, avec pour objectif de faciliter le suivi. On n'aura jamais toutes les informations dans ces tables-là, mais on a celles qui vont être suivies au quotidien, et avec derrière aussi un objectif d'optimiser les performances, parce que travailler sur de la donnée brute avec des millions de lignes versus de la donnée agrégée, que ce soit à la semaine, au mois, à la journée, va permettre déjà d'aller beaucoup plus vite pour l'utilisateur final. Donc ça, c'est une grosse partie du temps qui derrière, en fait, c'est la mise à disposition de la donnée. Alors aujourd'hui, on travaille sur Looker, ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a plein d'autres outils qui permettent de le faire. Looker va ralentir un tout petit peu le process à ce moment-là, parce qu'il demande de définir à l'intérieur de l'outil chaque métrique ou chaque définition. Donc, ça permet demain à l'utilisateur aussi d'être sûr qu'on utilise la même information dans différentes équipes. Parce que si dans l'équipe business et dans l'équipe produit, vous parlez d'un total de pages vues, mais que vous ne calculez pas exactement de la même façon, ça peut vite mener à des problèmes, notamment quand ils vont se retrouver à comparer leurs chiffres au sein du même réunion. Et à cette étape-là, on va aussi travailler là plus sur la partie dashboarding, on va créer les dashboards, que ce soit côté data, mais aussi former les utilisateurs des autres équipes à les créer eux-mêmes et à s'approprier la donnée. Au quotidien, on ne peut pas suivre tous les produits, toutes les améliorations et être au sein de chaque équipe. Par contre, le but, c'est vraiment que chacun soit opérationnel sur ses besoins du quotidien et que la data vienne vraiment sur les problématiques à plus forte valeur ajoutée plutôt que du suivi opérationnel qui est du coup cette dernière étape, qui est vraiment le suivi du produit, qui là va être fait essentiellement côté opération et côté product management. Là, c'est un suivi opérationnel avec du monitoring de produits et aussi de l'alerting qui permet, en fonction de certains cas ou niveaux atteints, d'être alerté, de pouvoir vérifier est-ce que c'est normal, est-ce qu'il y a un problème sur le produit, est-ce qu'on perd de l'audience, est-ce qu'il y a des pics, et donc de comprendre aussi derrière si c'est un comportement attendu. Et donc à l'intérieur de ce process, je vous disais, c'est que ça se découpe en deux partie. Tout le process, c'est vraiment le suivi à long terme, mais il ne faut pas s'empêcher de faire des itérations très rapides à partir des deux premières étapes. Et sur les différents produits, on va dire que les cinq étapes sont très bien pour des produits qui ont déjà de l'existence, où on sait déjà où on va, on est plus sur de l'amélioration pure, alors que quand on est sur un lancement de nouveaux produits, on a besoin d'itérer très rapidement. Et on n'est pas sûr que les données soient vraiment stables, que la feature, fonctionnalité qu'on utilise soit encore valable dans un mois ou deux. Et donc, mettre en place toute la suite du process, finalement, peut être aussi une perte de temps pour l'ensemble des équipes, parce qu'on va mettre plus de temps à donner l'information, et on va aussi mettre plus de temps, nous, à calculer, alors qu'on aurait pu passer sur des itérations, finalement, plus rapides. Et donc pour revenir sur notre exemple, donc là je vous ai mis le résultat final. Et donc ce qui est arrivé au terme de ces deux premières étapes d'itération, on est venu à comprendre qu'au sein du menu, finalement, on avait une granularité qui était trop importante avec trois niveaux de sous-menus. Et là, on a vu que finalement personne n'allait voir le dernier niveau ou
très peu par rapport à nos attentes. Donc, ça a été, dans un premier temps, de réduire cette profondeur et de diminuer le nombre de catégories. Donc là, forcément, ça ne se voit pas très bien, mais il y en a 5, alors qu'avant, il y en avait 6 avec beaucoup plus de niveaux. Et on a refondu aussi des catégories derrière pour qu'elles soient plus accessibles ou en fusionner certaines. Donc ça, c'est une première étape importante qui n'avait pas été forcément prévue par le design dès le début. Le deuxième knowledge qu'on a acquis pendant cette phase d'itération, c'est de comprendre que le carrousel, donc ce grand bandeau, avait une forte performance sur la première image. Par contre, sur la deuxième et la troisième, on avait un écart de visibilité à peu près de 500% en comparaison du bandeau en dessous, où la visibilité était à peu près la même sur l'ensemble, ce qui permettait d'avoir une augmentation de visibilité sur les entreprises qui sont dans ce bandeau de 200%, alors que sur le reste, on avait des performances beaucoup plus partagées. Et en plus, visuellement, ça ne matchait pas avec ce que le design voulait faire. Donc, c'est bien, on a pu valider une problématique design avec de la donnée et ce qui servait en même temps le but final qui est d'améliorer la visibilité aussi de nos clients. On en a profité là pour faire un test qu'on ne voit pas très bien parce que ce n'est pas zoomé, mais de rajouter différentes catégories sur ces mises en avant. Historiquement, on n'en avait qu'une. Et là, on a pu faire différents finalement onglets à l'intérieur. Et donc ça, c'est des choses qu'on continue de mesurer aujourd'hui. Et pour l'ordre des sections, on a fait plusieurs tests. Donc sur le bandeau jaune, qui est tout en haut, le Work Performer à l'intérieur, et sur la phase pro média au-dessus et entreprise en dessous. Et là, on a aussi utilisé des heatmaps. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est un outil de capture avec l'outil qui s'appelle Odjar, qui permet de capturer finalement les utilisateurs, où est-ce qu'ils vont scroller sur la page. Où est-ce qu'ils vont cliquer et de voir en fait sous forme de carte un peu de chaleur où est-ce que les utilisateurs s'arrêtent le plus. Et ça nous permet de voir que de temps en temps ils descendent plus aussi bas, ils s'arrêtent sur ces sections-là, ils ne vont pas voir plus loin. Et donc de continuer de retravailler très visuellement sur la donnée, sur du design de site. Et donc là, c'est ce qui nous avait permis de valider l'ordre des sections. Parce qu'on avait vu qu'il y avait une petite amélioration du trafic sur la partie média, si on le mettait sur la partie haute, mais on perdait du trafic sur la partie entreprise, et c'est quelque chose qu'on cherchait à maintenir. Donc, pour résumer, voilà, je vous montre un peu les bandeaux qui ont aussi été ajoutés à différents endroits. Donc, vous avez le menu qui a complètement changé, qui a été remis vers le haut, la partie carrousel qui a été retirée, les parties du coup, qui sont restées, mais retravaillées là, plus en termes de design. Et après, pareil, le bandeau du bas. Donc là, ça a été vraiment la première itération qui nous a permis. Donc, 100% de décision ne peut pas être prise sur la data à ce moment-là. On est sur des produits qui ont besoin d'avancer très rapidement. Par contre, ça permet quand même de baser une partie des décisions et de prévoir pour la suite. Finalement, maintenant qu'on a la donnée, on sait que dans quelques mois, on pourra retravailler ces informations, ce design, plus tard, si on voit que ce n'est pas pertinent. Et c'est justement les prochains suivis qui ont déjà été un peu identifiés sur les mises en avant. Voilà, c'est finalement de retravailler les différentes catégories, de faire aussi différemment, de façon aussi plus personnalisée. L'utilisation des heatmaps dont je vous parlais tout à l'heure nous pousse aujourd'hui à refondre aussi la partie haute du bandeau et des CTA, donc qui sont des call to action qui permettent d'avoir ces clics. Donc c'est le bandeau un peu noir que vous voyez, qui permet d'aller sur différents produits, mais aussi d'améliorer la navigation sur des parties qui ont pu être visibles l'année dernière et qui aujourd'hui deviennent moins, parce que soit il y a un intérêt moindre des utilisateurs, de notre audience, et donc c'est de travailler là-dessus. Et ce qu'on est aussi en train de voir pour améliorer, c'est d'aller encore plus loin avec de l'analyse du parcours utilisateur et de personnaliser l'expérience. Aujourd'hui, on est en train de passer vers une page d'accueil qui va être dédiée et personnalisée à chacun. Donc tout ça, c'est pareil, c'est de la donnée supplémentaire, de la mise en place d'AB test. Et on est obligé de l'intégrer. Vous voyez que c'est un process qui est vraiment une itération perpétuelle, mais qui est essentiel si on veut pouvoir valider des choix demain et pouvoir aussi les communiquer, que ce soit en interne, pour montrer la performance de nos produits, ou à l'externe,
de pouvoir partager nos informations, que ce soit au niveau des investisseurs ou que ce soit au niveau de l'Inde. J'espère avoir été assez clair et détaillé, mais en tout cas, si vous avez d'autres questions, ce sera un plaisir d'y répondre. Merci en tout cas Jean-Nicolas pour ta présentation qui était très claire, bon, autant au niveau de la coopération des équipes que sur le développement du coup du produit et la refonte design de Welcome to the Jungle. Alors, j'ai oublié de le préciser en début de présentation, mais bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va prendre quelques minutes justement pour y répondre. Donc, vous pouvez les envoyer dans le chat le temps qu'on les reçoive. On y répondra directement. Moi, de mon côté, j'avais quelques questions donc, pour revenir un peu sur la présentation que tu as pu donner. Déjà, bon, on a vu que tu expliquais très bien autant sur l'interaction avec au sein des équipes data et le développement du produit, l'ensemble du process, comment il pouvait être ficelé, et pas uniquement sur la refonte du design d'un site internet. Au niveau des différentes phases, et je pense notamment à la phase sur le développement, est-ce que tu as une idée, en l'occurrence pour la refonte design, de combien de temps cela a pu prendre au niveau de vos équipes? Alors, c'est un projet sur le refond de design qui continue d'exister, mais qui a été sur plusieurs mois. On a fait quasiment depuis la genèse du projet jusqu'à la fin, il a dû y avoir 6 mois. Et avec différentes étapes, les premières, on a beaucoup itéré sur la validation de design pur, parce qu'on a des équipes créa vraiment spécialisées sur le design web qui vont déjà faire des maquettes, qui vont itérer déjà avec la partie marketing, vu que c'était sur la définition site de marque, de nouveaux choix de chartes graphiques. Donc là, c'est sujet sur la partie data sur lesquels on pourrait rentrer dans le détail, mais finalement qui ne nous intéressait pas, ou c'était un choix volontaire. Et après, sur la partie design pur, c'est il n'y a pas de généralité, parce que ça dépend aussi de... Là, il y a eu une grosse refonte sur aussi bien... Je ne trouve plus le mot en français, mais le layout global de la page. Ça a pris plusieurs mois, c'est plusieurs trimestres. Enfin, 2 trimestres pour la base. Et après, aujourd'hui, on continue d'améliorer des petits éléments. D'accord, parfait. Je vois qu'on commence à avoir des questions dans le chat aussi. Alors, je vais y revenir tout de suite. Derdar Dalila qui demande donc quelle différence est faite donc entre l'utilisation d'une méthode d'expérience utilisateur UX Researcher et la méthode où on se base sur la donnée, comme tu as pu l'expliquer dans ta présentation. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une vraie différence. C'est plus de l'approche et en fonction de comment les gens le voient. Parce qu'on a travaillé justement avec un UX designer chez Welcome to the Jungle. Et là, justement, il venait nous voir pour nous demander de la donnée. Donc, c'est sur certains éléments qui vont être plus vraiment pur UX. Ça, il y a des choix qui sont faits. Et donc là, c'est de favoriser aussi l'accessibilité ou des décisions d'entreprise. Par exemple, de l'écriture inclusive. Si on suit la data pure derrière, ça n'irait pas forcément pour l'utilisation de l'écriture inclusive, parce qu'elle va ralentir un peu la vitesse de lecture. Par contre, c'est une vraie volonté de boîte, de stratégie, en tout cas de l'afficher. Donc c'est là où, c'est pas parce qu'on a la donnée derrière que la donnée favorise un élément qu'il faut forcément le suivre. Mais on le fait en connaissance de cause, et pas en disant, je pense que c'est mieux, ça va accélérer... la vitesse de lecture, non. Par contre, ça peut avoir une incidence sur d'autres indicateurs comme l'audience. Est-ce qu'on va avoir une meilleure audience, une meilleure image des marques? Et ça, c'est des éléments qui sont intangibles et de toute façon, on ne pourra pas mesurer. D'accord. Donc, ça, en fait, l'utilisation, forcément, c'est comme toute réflexion basée sur de l'analyse data. On utilise la donnée forcément, mais derrière, il y a une réflexion qui va toucher aussi à d'autres éléments, que ce soit expérience utilisateur, design, créa. Ou autre. Alors, on a une seconde question de Dame qui demande si vous faites, donc chez Welcome to the Jungle, du marketing automation, sûrement sur la partie dashboarding ou autre. Alors, on en a vraiment côté sur Welcome to the Jungle. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est quand un candidat va créer son compte, on va aussi lui pousser des campagnes d'emailing pour aider à l'adoption du produit, pour en présenter des nouvelles fonctionnalités. Donc
ça, c'est des campagnes, on va dire, assez basiques où on va prendre en compte la date d'arrivée, la date de création du compte et tous les, au bout de 5 jours, 7 jours, 30 jours, voilà, ce qui est défini côté marketing, tes emails vont partir. Mais on a aussi des campagnes un peu plus précises, notamment côté entreprise. L'origine, on est comme un outil SaaS sur la partie qui est moins visible la plupart de nos utilisateurs. Mais là, du coup, on a des automatisations en fonction de est-ce que le client ne se connecte plus depuis tant de temps, n'a plus fait ses actions, et du coup, comment on le recontacte pour maintenir le lien. On a de l'automatisation marketing. Et on a aussi une partie qui est faite côté data et une autre partie qui est faite pure côté marketing où ils ont aussi leur propre process. Parfait. Je passe à, pour l'instant, la dernière question qu'on a de Abdel Bassé, qui demande s'il y a dans votre équipe un profil de data ingénieur. Alors, je vois marqué à part, je pense que c'est aussi... Quels sont les profils en fait, dans l'équipe data qui peuvent être présents? Aujourd'hui, on a deux types de profils. Donc, on est 5 dans l'équipe data. Notre head of data, 3 data analysts et un data engineer. Donc on travaille vraiment tous ensemble, sachant qu'à l'origine, on n'avait pas forcément tous les mêmes compétences très silotées, mais aujourd'hui, le but, c'est que tout le monde puisse toucher à tout. On est une équipe relativement petite, et notamment sur la partie data engineer, le profil va vraiment s'occuper de l'infrastructure data. Après, sur les ponts entre l'ingestion de la donnée et la modélisation, souvent, on va travailler main dans la main, et il nous a aussi formés pour qu'on puisse gagner du temps, être plus flexible pour l'ingestion de la donnée, s'il y a des nouvelles données à ajouter, comment on peut le faire ensemble. Mais c'est aussi parce que ça nous fait plaisir en tant que data analyst d'aller chercher cette info et ces connaissances. Et oui. Profil suivant, pour finir, parce qu'on est en train de continuer de faire grandir l'équipe, c'est d'intégrer un profil un peu divers, d'aller plus loin autour de la gouvernance de la donnée. Parce que historiquement, c'est des infos qu'on faisait de notre côté, mais aujourd'hui, on a quand même un vrai besoin de mieux structurer le suivi, la partie définition, gouvernance, RGPD, qui est quand même bien suivi, mais on a toujours besoin d'avoir un expert ou d'un monde dédié sur ces sujets-là. La partie data science, où là, vous parlez de personnalisation de pages d'accueil, mais le but, c'est aussi d'aller plus loin sur la personnalisation. Aujourd'hui, on a des petits algorithmes qui tournent derrière, mais vraiment pour l'usage interne. Le but, c'est d'aller plus loin pour mettre à destination de notre audience. Et au niveau de votre équipe, du coup, vous êtes surtout concentré sur la partie donc développement au niveau du site internet, l'intégration de pages et sur la refonte de celle-ci. Alors, on touche vraiment à tous les produits, mais aussi sur la partie plus transverse avec les autres équipes, qui va être le suivi des chiffres de business, de chiffres côté finance, des statistiques côté médias. Donc, on travaille vraiment sur les différents sujets de la data au sein de l'entreprise. Donc là, j'ai vraiment orienté sur la partie produit, mais il y a toute la partie aussi plus interne, reporting au board, reporting aux investisseurs, tous ces sujets. Bon, forcément, au niveau des équipes data, où il y a une grande intégration et ça demande un travail aussi de communication avec les différentes équipes. Alors, je vois qu'il n'y a pas encore de nouvelles questions dans le chat. Si vous en avez encore, n'hésitez pas. Dans le pire des cas, vous pourrez les mettre en commentaire de la vidéo. On pourra vous répondre par la suite. En tout cas, merci encore, Jean-Nicolas, pour ta présentation. De mon côté, je vous inviterai à vous abonner à la chaîne et surtout à ne pas hésiter à revenir pour un prochain épisode. Et qui sait, peut-être que Jean-Nicolas, si à un moment tu veux revenir pour présenter, ce sera avec grand plaisir.